Et c'est parti, demi-finale, allez, de la nationale, avec Blagnac qui reçoit l'US Dax. Un gros duel de buteurs aujourd'hui entre Cerisier et Renault. Et le premier qui entre en piste, c'est le Dacquois. Ah, bien concentré, on a entendu les supporters de Dax qui ont tout de suite compris que ça passait. Et ouverture du score pour l'équipe qui a dominé la saison régulière. 3 à 0 pour l'US Dax. Ah, ça passe tranquille, okay. Toujours avec autant de puissance et son style caractéristique. 3 partout. Et Hugo Cerisier ne va pas se priver de continuer ses ping-pong. Cerisier a peu plié cette année, il a été solide comme un chêne et ça se confirme. Donc en dehors du jeu pour 10 minutes, la routine d'Antoine Renault. Donc il est très puissant. Et pour le moment, les deux buteurs sont à 100%. Et le score est de 6 partout. Et peut-être de nouveau l'avantage pour Dax dans quelques instants. Le duel de buteurs qui se poursuit. Et pas de souci pour Cerisier. Le poteau du milieu, 9-6 après quasiment 19 minutes de jeu dans ce Blagnac Dax. Début du match sur la phase d'observation et voilà, le match va se libérer petit à petit. 9 partout après 23 minutes de jeu. Antoine Renault pour donner l'avantage à son équipe. Et c'est fait. Pour la première fois depuis le début de la rencontre, Blagnac passe devant. 12-9, c'est le score à la mi-temps. La fin de cette première période avec donc un avantage de 3 points pour l'équipe d'Eric Escribano. Beaucoup fait tourner aujourd'hui. C'est parti pour la seconde période avec Hugo Sun. Il y a de l'espace là pour l'équipe de Dax. Ça joue très très bien avec Duprat là qui s'est intercalé. On va voir le premier, c'est la reprise. Léo Gatelier qui marque. Ça c'est le jeu de Dax. Quasiment première intention. Et la défense de Blagnac qui a été débordée. Ah, ça passe, c'est parfait de la part de Cerisier. Dans ce groupé pénétrant. Et on va aller vers l'essai. Et ça pourrait même donner un essai de pénalité. Il n'y aura même pas besoin. Lévy qui va réussir à aplatir. Le talonneur qui confirme. Ça sent plus que très bon, puisque je pense que le début de match de Dax est forcément dû aussi à cette crainte du fait qu'à Blagnac, c'est très compliqué de venir s'imposer. On sait que c'était très cédé, etc. Mais comme je te l'avais dit au tout début, je pense sincèrement qu'un essai allait les libérer, c'est ce qui s'est passé. Et donc là, maintenant, avec 20 points d'avance avant le match retour, forcément, là, ils vont avoir une furie en face d'eux, de Blagnacais, et ça va être très compliqué. Mais après, on sait jamais. Ouais, c'est terminé, score final 32 à 12. Énorme victoire de Dax qui était menée 12 à 9 à la mi-temps, on vous le rappelle. Les hommes de Jeff Dubois qui font un immense pas vers la finale et la Pro D2 pour la saison prochaine. Blagnac a été courageux, mais ça n'a pas suffi.